quotidiano. E la 12 corde da quello di Ciano non so. Tu joues aussi? Oui, on va en faire un petit. I can get no! Ma petite histoire de chanteur, c'est que au début, j'étais étudiant et je chantais. J'avais reçu une guitare de mon grand-père et j'avais commencé à gratter un peu. Et puis j'avais écrit quelques poèmes et j'avais quelques chansons que j'ai chantées aux copains de classe dans des petites fêtes et tout. Et un jour, il y a eu un concours qui est passé dans la région et les copains m'ont poussé à participer. Et avec leur aide, j'ai gagné l'éliminatoire. Puis de là, j'ai été appelé à Paris, où j'ai fait 16e de finale, 8e, quart, demi, et j'ai gagné la finale. De là, j'ai fait un disque qui n'a pas marché. J'en ai fait un second qui n'a pas marché. J'en ai fait un troisième qui n'a pas marché. J'en ai fait un quatrième qui a marché un peu. Et j'en ai fait un cinquième qui a bien marché. Et c'est de là que j'ai abandonné les études pour me consacrer uniquement à la chanson. La popularité, oui. En France, on m'a découvert il y a un an et demi. Et on s'est dit, tiens, d'où il vient celui-là? Et il vient comme ça du jour au lendemain. Alors que les Belges, eux, me connaissaient depuis 3 ans. Parce que pendant 3 ans, j'avais chanté dans des petites fêtes, dans les inaugurations de restaurants où les gens n'écoutaient même pas. Et j'avais, en France, on dit, j'avais fait mes classes. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à être vedette en France, j'étais passé pour tous les échelons, mais en Belgique. Et ça, les Français ne le savaient pas. Ils croyaient que j'étais arrivé directement vedette. C'est-à-dire, je lui ai couru après pendant des années, et maintenant que je l'ai, ben, je peux dire que je ferai tout pour la garder. Tout, enfin, entendons-nous, tout ce qui est décent et qui n'est pas trop commercial, si je veux dire. Je chante presque autant en italien qu'en français, parce que je suis italien habitant en Belgique, j'ai étudié le français en tant que langue du pays, mais je connais l'italien en tant que langue de la famille, en tant que langue mère. Alors il y a des fois, il m'arrive de penser en français et de penser en italien. Il y a d'abord les monuments, si je peux dire, les piliers. Il y a Brel, il y a Brassens, il y a Aznavour, il y a Beko, il y a Nougaro, il y a Ferrat. Et puis il y a les autres, les idoles, comme on les appelle, qui ont derrière eux toute une partie de la jeunesse. Ceux qui resteront, à mon avis, c'est Johnny Hallyday, parce qu'il est vraiment professionnel. Richard Anthony, parce que c'est lui, sans doute, qui chante le mieux. Et Claude François, c'est le plus dynamique. Et alors, on me parle toujours, quand on me demande des questions sur la chanson française, on me dit le yéyé. Le yéyé, c'est, on n'appelle plus le yéyé, parce que le yéyé, c'était il y a 3 ans, quand les Français n'achetaient pas les disques originaux, ne connaissaient pas le répertoire américain. Alors, dès qu'un Français faisait une adaptation de la chanson, elle devenait un succès en France. Mais aujourd'hui, depuis les Beatles, les Rolling Stones et tout, on achète directement le disque original. Et la traduction en français ne marche plus. Alors, les chanteurs français ont recours à des auteurs-compositeurs originaux français. Et c'est très bien comme ça. Oui, j'aime bien. Je n'ai pas de programme établi, je me laisse aller, je fais ce qui me passe par la tête. Bien sûr, je me marierai d'ici 3 à 4 ans, je sais pas. Qu'il soit simple, franche et assez intelligente. Mais chez ma femme, je serais pas d'accord. Commencer l'Amérique. Mais justement, honnêtement, ce n'est pas une obligation de dire dans chaque pays j'ai beaucoup aimé le public, mais dans le public étranger, c'est un des plus enthousiastes que j'ai rencontré. D'ailleurs, la réception à l'aéroport, je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais surpris et très agréablement d'ailleurs. Ah, j'espère beaucoup. Tes blue jeans, ton blouson de cuir, tu les prends pour bouclier. Une vie que tu voudrais fuir, parce qu'elle t'oblige à t'humilier. En blue jeans et blouson de cuir, tu taquines les jupons
vise-moi dans sa quelle allure. T'as une affiche au pantalon. Tu n'es pas mauvais garçon. Un petit rien te fait rougir. Va, profite de la leçon. T'es pas fait pour jouer les durs. Adieu. Non, je dis jamais adieu, je dis toujours au revoir. Mais je connais des chansons. Il y a une chanson qui dit adieu Lisbonne. Moi, je veux pas dire adieu Lisbonne. Je veux dire au revoir Lisbonne. Ciao.